Le compte à rebours a commencé pour Clément et Eric. En novembre, ils s'élanceront du Havre pour la Transat Jacques Vabre. Un défi qui a pourtant commencé par l'incendie du voilier de Clément, juste avant le Vendée Globe. Eric lui prête alors son IMOCA. Ça a donné lieu à une super histoire. Ce qu'il faut retenir dans la vie, c'est bien ça. C'est que malgré des choses un peu, enfin même très très dures à supporter pour tout le monde, qu'on puisse rebondir. Éric Nigon, un amateur dans le monde de la course au large, mais en l'espace d'une quinzaine d'années, le skipper a bouclé trois routes du Rhum et de Jacques Vabre, tout en travaillant dans la capitale. J'ai toujours réussi à m'organiser au niveau professionnel. Je suis informaticien pour pouvoir m'absenter pendant les vacances de façon assez permanente, puisqu'on n'a plus beaucoup de connexion avec la terre, avec le boulot quand on est en mer. Voilà, mais je passe toutes mes vacances depuis 16 ans à naviguer au large. Du Havre à la Martinique, les deux marins vont passer une vingtaine de jours sur ce voilier de 18 mètres, des conditions spartiates, avec peu de temps pour dormir. Quand on veut faire des petites siestes rapides, en fait, on s'installe directement sur le Fat Boy, qui a l'avantage, avec ses micro-bulles, de pouvoir se caler un peu comme on veut. Et donc, quelle que soit la position du bateau, on arrive à se caler là-dedans pour pouvoir dormir. Clément Giraud a terminé 21e du Vendée Globe. Une expérience des mers du Sud et une belle histoire d'amitié qui pourrait booster l'équipage. On sait à peu près tout faire tous les deux. Pas forcément magnifiquement, mais correctement. Par contre, que là sur lequel, si on a vraiment des gros coups de tabac, c'est vrai que Clément a quand même eu, même si j'ai fait déjà 4 transats avec ce bateau, j'ai pas eu les conditions qu'il a eues dans le Sud. En attendant de mettre le cap sur les Antilles, Éric et Clément vont s'entraîner en Bretagne et préparer leur bateau à La Rochelle, port d'attache de ce voilier désormais symbole de la solidarité des gens de mer.